Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 8 mai, la Sainte Église célèbre Saint Victor de Marseille, soldat et martyr. Écoutons la vie de Saint Victor, une vie pleine de foi pour son Seigneur. Le martyre de Saint Victor nous montre d'une manière éclatante combien les héros du Christ sont supérieurs aux héros de nos armées. Saint Victor naquit vers le milieu du IIIe siècle d'une noble famille de Marseille. Ses parents en firent un chrétien et quand il fut en âge de choisir une profession, il choisit le métier des armes où il servit les empereurs avec honneur et vaillance. Victor, ayant appris que l'empereur Maximien arrivait à Marseille pour persécuter les chrétiens, au lieu de cacher sa foi, il sentit s'accroître en lui son zèle pour la défendre. Il parcourait hardiment les rangs de ses compagnons chrétiens pour les encourager à ne pas faiblir. Jour et nuit, il se rendait de maison en maison, exhortait les fidèles à souffrir généreusement pour Jésus-Christ. Il allait même accompagner les martyrs jusque dans leur supplice pour les fortifier dans le combat suprême. Trahi par son zèle, il fut chargé de chaînes et conduit à l'empereur lui-même. Maximien employa successivement les promesses et les menaces pour l'engager à sacrifier au Dieu. Le saint, inébranlable, confondit le tyran en démontrant la vanité des idoles et la divinité de Jésus-Christ. L'empereur crut qu'une grande humiliation pourrait triompher de Victor. Il le fit traîner par les pieds et poursuivre par les coups et les huées de la populace païenne. Après ce premier tourment, Victor répondit aux nouvelles questions. Je suis chrétien, je méprise vos dieux et je confesse Jésus-Christ. À ces mots, on l'étendit sur un chevalet et son corps fut affreusement déchiré. Pendant ce supplice, Jésus-Christ lui apparut la croix à la main en lui promettant une immortelle couronne et cette vision adoucit le sentiment de ses douleurs. La nuit suivante, dans sa prison, il fut visité par les anges. Trois gardiens, frappés de voir le cachot resplendir d'une miraculeuse clarté, se convertirent, furent baptisés et reçurent le martyre avant Victor lui-même. Trois jours après, Maximien rappela Victor devant son tribunal et lui ordonna d'adorer une idole de Jupiter. Victor, saisi d'horreur, poussa l'autel avec son pied et le renversa ainsi que l'idole. Le tyran, pour venger son dieu, fit couper le pied au vaillant chrétien. Victor offrit ce membre à Jésus-Christ
comme les prémices de son sacrifice. Ensuite, il fut placé sous la meule d'un moulin pour être broyé, mais la machine se brisa. Il fallut, pour achever la victime, lui trancher la tête. En ce moment, une voix céleste fit entendre ces paroles. Victor, tu as vaincu. Saint Victor, modèle de foi et de sainteté. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Victor, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.